La parole est à présent à Madame Soumia Bourroua pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Mercredi dernier, un jeune homme originaire de La Courneuve, ma circonscription, est décédé percuté par une voiture de police suite à un refus d'obtempérer. Ce jeune homme avait la vie devant lui. Quand est-ce que ces drames cesseront ? Suite à ce terrible événement, le commissariat de La Courneuve a fait l'objet d'une attaque dimanche au tir de mortier et au jet de cocktail Molotov. Je veux être claire, je partage l'émotion que suscite le décès de ce jeune homme, mais la colère ne peut s'exprimer par la violence. Nous ne voulons pas revivre les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, la mort tragique de Zied et Bouna. Face aux émeutes, ce sont toujours les habitants et les habitantes qui sont les premières victimes. Mais il faut que ces drames cessent. Assez de faire le décompte funeste de toutes ces vies brisées. Assez d'adresser nos condoléances auprès des familles anéanties en quête de justice. Un refus d'obtempérer ne peut causer la mort. La réponse policière doit toujours être strictement proportionnée. La population souffre et les forces de l'ordre souffrent également. Il faut refonder la doctrine du maintien de l'ordre, revenir à une utilisation mesurée de la réponse policière, réhabiliter la médiation au cœur de la relation police-population. En ce sens, nous demandons le rétablissement de la police de proximité, car celle-ci a fait ses preuves, notamment dans les quartiers populaires. Enfin, le ministère de l'Intérieur ne peut plus fermer les yeux sur le fléau du racisme systémique dont le contrôle aux faciès sort l'un des tristes exemples. Monsieur le ministre, allez-vous admettre que la doctrine à l'œuvre dans notre pays ne fonctionne pas ? Allez-vous prendre des mesures pour restaurer le lien de confiance si affaibli entre la police et la population ? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, quand il y a un mort, il y a toujours un drame. Et évidemment, je veux dire l'émotion qui est notre émotion collective lorsque quelqu'un perd la vie. Et là, il s'agit de quelqu'un qui a fait un refus d'obtempérer, un jeune. Comme il y a aussi des policiers et des gendarmes, il y en a eu 5 depuis que je suis ministre de l'Intérieur, Madame, qui sont morts du fait de ces refus d'obtempérer. Je regrette que vous n'ayez pas eu un mot pour eux. À La Courneuve, je regrette d'ailleurs que le groupe communiste, qui jusqu'à présent a toujours été solidaire des policiers, pose de plus en plus de questions qui ressemblent au groupe de la France Insoumise sur cette question. Qu'est-ce qui s'est passé à La Courneuve ? Qu'est-ce qui s'est passé à La Courneuve ? Il y a eu un refus d'obtempérer. Il y a eu un refus d'obtempérer par un jeune de 18 ans qui, malheureusement, je l'ai dit dès mon propos, est décédé et nous déplorons tous ce décès, qui a été connu pour plus de 40 faits à son âge, dont deux refus d'obtempérer. Chacun a vu que ça n'a rien à voir, Madame, avec l'ordre public ou avec un quelconque racisme systémique dans la police. En faisant ça, vous accusez les milliers de policiers et gendarmes qui sont blessés chaque année parce qu'ils rétablissent l'ordre républicain. Et nous avons eu 2 enquêtes ouvertes, dont une pour refus d'obtempérer aggravé. Et vous savez, Madame, si on veut que les refus d'obtempérer s'arrêtent et qu'on arrête d'avoir des morts chez les gendarmes et les policiers, comme chez les personnes qui conduisent des scooters ou des voitures, il faut s'arrêter, Madame. Quand on délie la République, il faut le dire, il faut s'arrêter quand la police vous demande de vous arrêter. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Vous n'avez plus le temps. Si ? Ah, allez-y, 3 secondes. Non, je pense, Monsieur le ministre, que vous n'avez pas bien écouté ma question. Je vous remercie. Monsieur le ministre. J'avais très bien compris votre question, Madame, et je regrette que vous n'ayez pas eu un mot non plus pour tous ceux qui ont attaqué des commissariats, des chauffeurs de bus, des policiers, dans la nuit qui a été la conséquence de cela. Et je regrette votre clientélisme au moment où, justement, nous devons soutenir les policiers et les gendarmes. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Élie Califère pour le groupe socialiste.